Alors, je viens de recevoir une nouvelle machine à laver et je vais bientôt la tester. Elle est brand new. C'est ici qu'on sèche. Cette machine est abîmée, mais j'ai pu la réparer. Mais je n'ai pas pu réparer le washer parce que la pièce, au fait, qu'il fallait acheter pour remplacer coûtait à peu près, je crois, 1 200 $. Donc, c'était même plus que... Bon, c'était la moitié du prix du unit, mais c'était 1 200 $. Et ça ici, c'est brand new. Ils viennent de déposer ça il n'y a pas très longtemps. C'est all set up, ready to go. Donc, je dois seulement essayer de tester et voir si ça va marcher. Quand c'était venu, le prix était à 1 $ 75 pour pouvoir laver. Et maintenant, j'ai changé le prix à 3 $ 75. Donc, avec la récession et tout, donc les prix aussi. Et ça, c'est plus de gaz, mais ça, c'est l'électricité et l'eau. Et je crois qu'il y a un peu de gaz peut-être. Mais ça, c'est le truc de gaz. Ça, c'est 1 $ 50. Donc, c'est un peu ça pour la journée d'aujourd'hui. Je vais checker ces deux machines ici, make sure qu'elles fonctionnent correctement. Et c'est un peu ça. Donc, quand vous êtes un bailleur, pensez toujours à ces histoires. Économisez votre argent parce qu'il y aura des périodes comme ça où vous devez faire des grandes dépenses. Je ne sais pas si je vous ai donné le prix, mais cette machine ici a coûté quelque chose entre, je me rappelle plus très bien, mais c'était entre 550 et 600 $. Donc j'ai quand même économisé de l'argent parce que, comme je disais, pour réparer la machine qui était là avant, la pièce seulement coûtait quelque chose comme 1 200 $. Donc j'ai quand même économisé de l'argent, mais comme je vous disais, quand vous êtes un bailleur, il faut toujours vous préparer à des dépenses comme ça, surtout quand vous avez un unit ou bien un appartement qui est toujours vacant. Donc tout ça, c'est en train de ranger votre budget. Donc préparez-vous vraiment et save votre argent quand vous êtes un bailleur, comme je disais, pour vous préparer pour toutes ces histoires. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est pas... La raison pour laquelle j'ai voulu faire la vidéo d'aujourd'hui, d'abord, je vais remercier tous ceux qui se sont abonnés sur Son of Congo. Bientôt, on va atteindre 1000 abonnés. Donc, je vais vous demander vraiment de vous abonner massivement. Tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, tous ceux qui ont regardé quelques épisodes, mais ne l'ont pas encore fait, ça ne va rien vous coûter. Abonnez-vous, likez les vidéos. Prenez 2 secondes, 3 secondes, vous appuyez sur like, vous appuyez sur subscribe. Ça va rien vous coûter. Donc, faites-le pour supporter la chaîne. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, merci encore d'avoir regardé les épisodes. Merci à tous ceux qui supportent la chaîne de Son of Congo. Et aujourd'hui, ça sera aussi notre journée comme ça, une journée de réflexion surtout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Si vous regardez les news et tout ça, vous suivez les news, vous connaissez la situation qui se passe en West Africa. Donc, on va un peu parler de ça. Ça serait un peu une réflexion, mon opinion dans tout ça. J'ai fait une vidéo auparavant où je parlais... Bon, avant d'abord de commencer, je veux dire que Son of Congo, ce n'est pas une chaîne de politique. Ici, en tout cas, moi, je ne parle pas de la politique. La politique ne m'a jamais intéressé. Je ne me suis jamais considéré comme un politicien. Il n'y a pas de politicien que je suis en train de soutenir. Que ce soit donc en Afrique ou bien partout, je me considère toujours comme un indépendant. Et pour moi, je ne suis jamais intéressé à la politique. Mais par contre, la chaîne Son of Congo, c'est une chaîne où je parle du développement. Comment l'Afrique peut faire pour se développer? Qu'est-ce qui empêche l'Afrique à se développer? Et c'est un peu de toutes ces histoires qu'on parle. On parle de la vie aux États-Unis, la vie dans la diaspora. Mais c'est pas nécessairement, on ne parle pas de politique. C'est vrai que la politique impacte un peu tout ce qui se fait dans la vie. Donc on peut parler un peu de ça, mais ce n'est pas une émission de politique. Ce n'est pas une émission pour choisir des camps politiques. C'est une émission vraiment qui est focus sur le partage de knowledge dans la diaspora et le développement du continent africain. Et comme je disais, pour moi, le continent africain,
C'est pas les politiciens qui vont le développer, ça sera le peuple africain. Le jour que le peuple africain voudra que son continent puisse être développé, vous allez voir que l'Afrique va se développer. Et c'est toujours, c'est un peu ma perspective dans toutes ces choses, que vous, si vous regardez les anciens épisodes, je dis aussi la même chose. D'ailleurs, je vais vous encourager d'aller suivre les anciens épisodes parce que c'est un peu là que je touchais un peu plus les affaires politiques. Mais ce n'est pas une chaîne de politique et je ne suis pas vraiment intéressé à continuer à parler de la politique. Je suis intéressé à parler de la stratégie dans le business, la stratégie dans tout ce que vous avez envie de faire en termes de développement, en termes d'organisation dans la société civile. Mais la politique, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, je n'ai pas vraiment, comme on dit en anglais, je n'ai pas de dog in this fight. Donc, je ne soutiens pas l'Ouest, je ne soutiens pas le Sud, je ne soutiens pas l'East. Je suis en train de penser en tant qu'Africain des intérêts africains et comment les Africains peuvent faire pour développer leur pays. Donc, vous allez un peu remarquer que contrairement à d'autres personnes sur YouTube et tout ça, moi, je ne suis pas là pour dire que la France est à blâmer, la France est ça et tout. Les Européens sont mauvais. Non, moi, je ne suis pas là pour faire ça. Je ne suis pas là pour dire aussi que non, la Russie est bon, la Chine est bon. Non, moi, c'est les deux camps-là, c'est pratiquement la même chose. C'est une même idée, en fait. Et si vous vous rappelez de l'épisode passé, ce que j'étais en train de dire était que je crois que je vais mettre cet épisode quelque part ici. Et c'était un peu une réflexion. Et ce que je disais dans cet épisode, c'était que ce que nous sommes en train d'assister maintenant, c'est la chute de l'Europe. Et la raison pour laquelle j'étais en train de parler de ça, on était en train de parler de la guerre en Ukraine. Et puis, on parlait des sanctions. Et ce que je vous disais, c'était que un pays qui a des ressources naturelles, surtout les ressources qui est forte, qui est riche en énergie, ces pays ont les ressources énergétiques. Ces pays ce sont des pays que vous ne pouvez pas sanctionner. Vous ne pouvez pas sanctionner un pays qui est riche en ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles, c'est de ça que le monde a besoin pour se développer. Si vous sanctionnez un pays qui a des ressources naturelles, vous allez vous faire mal à vous-même. Vous ne allez pas faire mal parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va venir pour acheter ces ressources-là vers ce pays. Peut-être ils vont l'acheter en moins cher, peut-être ils vont l'acheter, peut-être, mais ils auront toujours des clients parce qu'ils ont des ressources. Et ce que j'étais en train de vous dire était que quand l'Europe a décidé de sanctionner la Russie, c'est là vraiment que c'était le début de la chute de l'Europe. Et pourquoi c'est le début de la chute de l'Europe? Parce que l'Europe n'a pas de ressources pour produire assez d'énergie pour eux-mêmes, les Européens. Donc, ils seront obligés maintenant de dépendre plus sur l'Afrique. Ça, comme c'est leur zone d'influence, c'est quand même moins cher pour eux. Ou bien ils seront obligés de dépendre des Américains. Et comme ce n'est pas leur zone d'influence, ils sont plutôt des clients, ça va les coûter plus cher. Et ce que je disais était que vous allez assister carrément à la chute de l'Europe. Mais ce que je n'avais pas dit dans l'épisode, dans cette réflexion, c'était que l'Europe ne va pas aussi se laisser faire. Vous, si vous êtes des Africains, ne croyez pas que la chute de l'Europe n'aura pas d'impact sur l'Afrique. Parce que, comme je vous dis, Son of Congo, c'est une chaîne où on parle du développement de l'Afrique. Vous, si vous êtes un Africain, comment vous pensez que c'est quoi les intérêts de l'Afrique? C'est quoi les intérêts de l'Africain? Comment vous pensez que vous allez vous développer? Vous n'allez pas vous développer si vous êtes en train de poursuivre les intérêts d'autres personnes. Vous devez chercher d'abord vos intérêts à vous-même en tant qu'Africain et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. Et pour faire toutes ces histoires, pour faire tout ce travail, vous aurez besoin d'une stratégie. Les Africains doivent commencer à penser en termes de stratégie et ne pas toujours se laisser faire Et c'est là que je vous dis que moi, je ne condamne pas les Européens. Parce que je n'expecte pas qu'ils vont se laisser faire, ils vont tomber sans pourtant se battre pour l'Afrique. Parce que c'est leur zone d'influence. Et vous aussi, si vous étiez à la place des Européens, imaginez que vous avez des pays que vous êtes en train de dominer. Si vous ne tenez pas, si vous ne les gardez pas en dessous de vous, vous risquez de chuter vous-même et demain, les gens vont devenir vos maîtres. Donc, quand vous êtes en train de chuter, vous devez vous assurer en termes stratégiques. Si vous étiez par exemple l'Europe,
vous devez aussi vous assurer que les pays que vous êtes en train de dominer tombent aussi. Parce que si eux, ils tombent, vous aurez toujours cette capacité-là de les utiliser pour remonter. Donc, c'est un peu ça que l'Europe va faire. C'est un peu ça que tous les pays vont faire. Vous êtes en train de perdre de l'influence dans quelques régions, déstabiliser ces régions, comme ça, elles vont tomber. Vous aussi, vous allez tomber peut-être, mais ces gens vont toujours continuer à dépendre de vous. Donc, c'est une stratégie qui est totalement legit. Il y a beaucoup d'Africains, panafricains, eux, ça les choque. Mais quand vous êtes dans un monde de business, un monde de compétition, c'est une stratégie qui est tellement logique. Et ce que je suis en train de dire, ce qui est en train de se faire maintenant en Afrique aussi, vous êtes aussi en train de voir que c'est une autre stratégie de l'autre côté. C'est une stratégie du côté de la Russie, une stratégie du côté de la Chine. Et eux, ils sont en train aussi de jouer dans l'aspect, surtout la Russie, eux, ils vont jouer toujours dans l'aspect militaire. Donc, quand ils sont dans l'aspect militaire, eux, ils se disent que la zone, cette zone d'influence, eux, ils peuvent la prendre en poussant maintenant leur... Parce qu'il n'y a personne au monde qui produit assez de munitions, des histoires comme ça. Eux, quand il s'agit de l'armement, vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils vont vous produire des armes et des armes et des armes. Et en regardant seulement la carte de l'Afrique, en regardant seulement les zones où il y a eu tous ces coups d'État et tout, vous allez voir, vous pouvez voir facilement comment une nouvelle carte est en train de se dessiner. Et cette nouvelle carte-là aussi, c'est aussi l'intérêt des Russes. Donc tout ce qui est en train de se faire en Afrique, c'est toujours dans le cadre d'une guerre. Eux, ils se sont dit, les Européens ont dit qu'ils vont sanctionner la Russie, leur énergie, et du coup, ça augmente leur dépendance sur l'Afrique. Ils continuent à fournir les armes aux ennemis de la Russie. La Russie continue aussi à se battre contre leurs ennemis. Donc, le conflit continue. Et la Russie aussi, en termes de stratégie, elle dit, OK, ils ont perdu notre marché avec l'énergie. Ils sont en train de dépendre de l'Afrique et des États-Unis pour l'énergie. Donc, le next move en termes stratégiques de la Russie, c'est essayer de couper l'Afrique. Si vous arrivez à couper l'Afrique de l'Europe, stratégiquement, c'est vraiment un gros punch que vous donnez à vos ennemis. Donc ça aussi, c'est quelque chose de logique. Les gens se posent encore la question en Afrique, qui est derrière tout ça, qui est derrière tout ça. Mais vous devez seulement regarder la carte de tous ces coups d'État. Vous allez voir que c'est une stratégie pour diviser un peu les zones d'influence. Et quand vous divisez les zones d'influence comme ça, vous êtes en train de réduire carrément l'influence de l'Europe. Parce que si vous arrivez à diviser l'Afrique du Nord et, disons, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, quand vous arrivez à diviser, vous êtes au milieu comme ça, vous êtes en train de parler en termes de développement, ça sera difficile de faire le business. Les pays comme le Sénégal, comme ça, vont se retrouver, ils sont peut-être dans la communauté de ECOWAS, mais ils vont se retrouver à l'extérieur parce que ça sera quand même difficile pour faire des transactions entre eux et des pays, par exemple, comme le Nigeria et toutes ces histoires. Parce que vous ne serez plus en mesure de passer par route, vous devrez tout faire par mer. Et si vous regardez l'autre camp, le camp de la Russie, ils sont en train de pousser leur influence sur toute cette région à partir de l'Est Africa, du Soudan jusqu'en Guinée. C'est-à-dire que même les eaux là pour passer devant la Guinée, ce sera des histoires, ce sera une zone d'influence russe. Donc tout ça, c'est pour pousser, pour mettre la pression sur l'Europe. Tout ça, ce sont des stratégies. Et ces stratégies sont valides. Parce que quand vous êtes dans un monde comme ça, où les puissances sont en train, les business sont en train de compete, d'autres ne veulent pas perdre, d'autres utilisent la force. Donc toutes ces histoires, toutes ces stratégies d'un camp ou de l'autre sont valides. Mais moi, ce qui m'a plus touché dans ce problème, ce n'est pas tout ce que les gens sont en train de dire. Comme je vous dis, c'est valide pour moi. Je vous ai toujours dit que pour moi, ce sont les peuples. Si le peuple africain n'arrive pas à reconnaître ses propres intérêts, c'est la faute du peuple africain. On ne peut pas blâmer les autres, on ne peut pas blâmer les Européens, on ne peut pas blâmer les Russes. Si on n'arrive pas à reconnaître nos propres intérêts et se battre pour nos propres intérêts, c'est de notre faute. Et ça a toujours été ma logique et ça sera toujours ça ma logique. Donc vous n'allez jamais me voir blâmer les autres pour ça, 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 ça. Je peux les blâmer, mais la responsabilité vraiment finale revient toujours au peuple africain.
Et en parlant de tout ça, maintenant, j'étais en train de raisonner un peu sur ce problème. Je faisais une réflexion. Et c'est là que dernièrement, j'ai vu que non, il y a des pays, même africains, qui sont prêts à envoyer maintenant des militaires, à prendre des actions militaires maintenant contre un autre pays africain. C'est là maintenant que cette stratégie-là, cette situation-là, ça m'a quand même donné la chair de poule. Parce que ça m'a mis un peu dans une position qui n'était pas... Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais surtout si vous êtes de la diaspora congolaise ou bien vous êtes de la diaspora africaine et vous habitez ici aux États-Unis, au Canada, en France ou bien dans d'autres pays de l'Afrique. La diaspora, les Africains restent souvent avec les Africains. Surtout si aux États-Unis, vous allez voir que la plupart de nos masters, ce sont des Nigériens, ce sont des Béninois, ce sont les Ivoiriens. Vous êtes à Dallas là-bas. Ce sont des communautés de Sénégalais, Ivoiriens, Béninois, et toutes ces histoires, on est souvent ensemble. Quand les autorités de ces pays décident d'envoyer maintenant des militaires pour aller se battre maintenant contre les Nigériens, ça change maintenant beaucoup de choses dans la diaspora. Je ne sais pas si les gens dans le continent ou bien ces autorités, ils sont en train de penser à l'impact que ça, une décision comme ça dans la diaspora africaine. Parce qu'ici, maintenant, vous devez maintenant penser, il y a déjà des compétitions entre la diaspora africaine anglophone et la diaspora africaine francophone. Il y a déjà des compétitions dans certains milieux de entertainment, dans certains milieux de business, il y a déjà des compétitions qui sont un peu fortes. Il y a déjà, mais c'est toujours des compétitions qui sont un peu amicales parce que nous sommes des frères. Mais imaginez-vous, maintenant, il y a des pays anglophones qui envoient maintenant des militaires dans des pays francophones. Et d'autres pays francophones qui veulent aussi envoyer des militaires dans des pays, un autre pays francophone de la même région. Mais ça, ce que vous allez faire à la diaspora africaine, ce sera grave. Les gens vont commencer à raisonner avant d'aller manger dans d'autres restaurants. Les gens vont commencer à raisonner avec qui parler. Donc vous allez diviser carrément la diaspora africaine ici aux États-Unis et partout dans le monde à cause des conflits comme ça. Personnellement, moi, je me dis que ça ne pourra pas se faire parce que je ne vois pas comment la diaspora, comme je dis, la diaspora africaine, c'est, on se connaît entre nous. On est des Africains, on est à l'aise entre nous. Malgré qu'il y a souvent des gens qui sont d'autres pays, par exemple, les gens qui sont les Nilotiers, qui restent plus entre eux, les autres qui viennent des pays arabes, restent plus entre eux. Mais on reconnaît quand même que nous sommes, quand vous arrivez quelque part, il y a quand même un support de la diaspora. Quand vous arrivez quelque part, on vous reçoit et tout ça, vous parlez, vous êtes des Africains. Il y a quand même un entendement entre nous. Mais quand vous commencez des conflits comme ça et vous attaquez d'autres pays, l'impact que ça a sur la diaspora africaine, je ne sais pas si ça sera quelque chose qui sera... Les autorités ont pensé vraiment que ça sera sur l'intérêt des Africains de commencer des guerres comme ça. Et nous, comme nous, en Afrique, ce sont des histoires des tribus. Vous allez même commencer à diviser des pays. Parce qu'il y aura des tribus qui vont commencer à dire que non, les Nigériens, ce sont des tribus frères et tout ça. Donc vous allez créer des guerres civiles carrément dans tout cet ensemble-là. Et ça va même pousser peut-être à redéfinir les territoires. Parce qu'il y aura d'autres pays, il y aura des pays qui seront divisés seulement à cause de leur opinion sur ça. Il y aura des tribus qui ne voudront pas se battre. Donc vous allez créer une tension dans la région qui est quand même très, dangereuse. Et ça, c'est, je ne sais pas si c'est quelque chose que tous ces dirigeants ont pensé à ça. Mais c'est quelque chose qui m'a fait quand même penser aujourd'hui. Et je me suis dit que les Africains n'ont encore pas compris. Ils n'ont pas compris que leurs intérêts doivent être protégés. Les Africains n'ont pas encore compris c'est quoi la meilleure stratégie pour eux. Ils dépendent encore des autres. Ils voient ce qui se fait en Chine, ils veulent directement embrasser un système chinois. Ils voient ce qui se fait en Russie, ils veulent directement embrasser un système russe. Ils voient ce qui se fait en Europe, ils veulent faire la même chose. Mais les Africains n'ont pas encore pensé à leur propre vision de ce qui est bien pour eux. Leur propre Wakanda, par exemple. Comment l'Afrique doit se développer? Est-ce que l'Afrique doit se développer comme la Chine? Est-ce que l'Afrique doit devenir comme Singapour? Comment vous voulez que l'Afrique se développe? On a des forêts, on a ça.
Est-ce qu'on ne peut pas faire des histoires un peu différemment? Est-ce qu'on ne peut pas construire en bois au lieu de construire en ciment? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça au lieu d'utiliser ça comme tous les autres pays du monde? Donc les Africains n'ont pas encore atteint ce niveau-là stratégique pour penser vraiment à leur développement. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, on sera toujours les pions des autres pays, on sera toujours les pions des autres intérêts qui viennent de l'extérieur. J'ai entendu même le ministre d'un pays ou bien la ministre d'un pays dire que la raison pour laquelle nous on va envoyer des soldats là-bas, c'est parce que les dirigeants au top de l'organisation régionale ont décidé ainsi. Ça veut dire que la question est toujours là, la question n'est pas encore répondue. La question, c'est pourquoi ils ont décidé ainsi? Parce que quand vous êtes en train de penser en termes des intérêts africains, vous allez un peu question cette décision. Si vous êtes un pays comme le Nigeria, vous coupez l'électricité à un autre pays qui est votre pays voisin. Imaginez l'impact que ça fait entre les deux communautés. Seulement ici dans la diaspora, comment la situation va devenir entre les gens qui sont du Niger et les gens qui sont du Nigeria. C'est quel genre de relation que vous voulez qu'ils aient ici dans la diaspora? Comment ils vont s'entendre même? Des gens qui partagent, qui s'appelaient frères hier, aujourd'hui ils commencent à se battre entre eux. Ça crée directement des tensions comme ça. Et beaucoup d'Africains n'ont pas encore pensé à ça, à tout cet impact. Et quand vous pensez à ça, vous dites que comment faire souffrir vraiment un autre pays africain est dans l'intérêt du développement de l'Afrique. C'est ça que les autorités de cette organisation doivent répondre. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, les décisions, sont dans les intérêts des Africains, du développement des Africains? Et c'est un peu cette situation qui m'a, franchement, qui m'a donné la chair de poule. Les autres histoires, c'est les histoires des Africains. Mais ce qui est quand même bien pour tout ça, l'aspect positif dans tout ça, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'Afrique va se développer. On est dans un monde qui dépend de l'énergie pour le développement. Et vous voyez que l'Europe est en train de se battre en Afrique parce qu'ils ont peur aussi de perdre l'énergie. Et ce qui fait que l'Europe ne sera pas vraiment parmi les grandes puissances du futur, c'est le manque d'énergie. Et quand vous-même regardez des pays comme la Chine, malgré leur développement, la Chine importe toujours une grande partie de son énergie. L'Afrique est le seul continent où vous avez des pays qui peuvent vraiment créer leur énergie et être indépendants. Donc c'est vraiment inévitable pour le monde que l'Afrique dans le futur sera une puissance régionale ou bien une puissance globale. Et ça c'est quelque chose qui ne va pas changer. Maintenant, la décision de soit ça se passe aujourd'hui, soit ça va prendre 50 ans, 60 ans, ça maintenant ça dépend de la stratégie des Africains. Vous pouvez rendre cette période de développement plus short, comme avec la Chine. Il y a quelques années, la Chine n'était rien et directement comme ça, la Chine est devenue quelque chose. Mais si vous ne continuez à ignorer vos propres intérêts et à jouer les jeux des autres, vous allez continuer à pousser cette période. Au lieu que ce soit dans 50 ans, ce sera les enfants de nos enfants, de nos enfants qui vont venir faire arriver l'Afrique à ce niveau. Mais comme je disais, l'aspect positif est que l'Afrique va se développer. À moins qu'un autre pays ou bien un autre peuple quitte l'Europe pour venir s'installer en Afrique, que vous commenciez les guerres aujourd'hui, que vous commenciez les guerres demain, à la fin de la journée, l'Afrique va se développer. Et l'Afrique sera parmi les continents qui seront, les pays africains seront parmi les pays qui seront dans le top. Mais comme je dis, on doit commencer à penser à ces choses maintenant. On doit commencer à penser à ces stratégies maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire pour développer nos pays? Penser à un modèle de développement qui est propre aux pays africains et qu'on essaye un peu de protéger nos intérêts. Et si on voit vraiment que comment protéger nos intérêts, la situation en Afrique maintenant, c'est un peu comme si vous êtes un père de famille et il y a quelqu'un, un gangster qui vient dans votre maison et il vous donne un fusil et il vous dit de tirer sur votre famille. Et il part chez lui. Il dit que prochainement, quand je vais revenir, j'en veux que je voie comment tu as assassiné toute ta famille.
vous, maintenant, vous êtes des Africains. Ce qui me donne maintenant, moi, la chair de poule, c'est qu'il y a des Africains qui pensent à tirer. Et ça, ça me dépasse. Quand je vois ces news que vous voulez envoyer des militaires là-bas comme ça, vos propres fils aller se battre, peut-être qu'ils sont même des mêmes tribus, c'est que ça va, les conséquences après toutes ces histoires, ça donne la chair de poule. Imaginez-vous un père qui tue toute sa famille. Mais c'est, qu'est-ce que vous allez faire? Donc dans une situation comme ça, l'Afrique vraiment a seulement une seule solution. Vous devez vous attaquer à la personne qui vous a envoyé. Soit c'est vous qui allez vous suicider vous-même et vous laisser votre famille. Soit vous allez vous mettre là et attaquer la personne. Quand il va revenir, vous êtes prêt à l'attaquer. C'est seulement ça les deux situations que vous devez avoir si vous voulez vraiment protéger les intérêts africains. Mais vous n'allez pas tirer sur votre famille. Vous n'allez pas voir des Nigériens, des Sénégalais se battre avec des Guinéens. Mais la diaspora sera comment? Vous allez envoyer des Sénégalais se battre contre des Béninois? Mais de quoi on va parler ici à la diaspora? On va commencer à parler de quoi? C'est où qu'on va acheter nos produits qu'on achète ici? On va l'acheter ça chez qui? Donc vous allez rendre des situations difficiles dans nos communautés et tout ça, ça ne protège pas les intérêts des Africains. Donc, regardless au camp que vous êtes en train de chercher, que vous soyez du camp de l'Est, de l'Ouest, de la Russie, de la Chine, des Européens, moi, ça ne me préoccupe pas. C'est attaquer un autre pays africain, attaquer des pays frères, attaquer des pays cousins, attaquer des peuples. Vous allez créer des guerres civiles dans toute la région pendant plusieurs années, plusieurs années, plusieurs années. Et c'est ça qui va freiner le développement de l'Afrique. Mais si vous pensez vraiment au développement de l'Afrique, vous pensez au développement de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit ici, c'est le développement, c'est l'énergie. Regardez un pays comme la République démocratique du Congo. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les Africains, les Congolais n'ont même pas encore pensé à comment financer un projet comme INGRA. Le projet de INGRA, c'est le projet qui va vraiment développer le Congo. Mais regardez tous les projets qui se font au Congo, regardez tous les projets qui sont en train de passer, tous les gouvernements qui sont en train de passer. Ils ont des difficultés pour financer un projet comme INGRA. Mais c'est quel entrepreneur dans ce monde ici qui ne voudra pas investir son argent dans INGRA? Mais tout ça, c'est parce que les Congolais, les peuples africains, ne mettent pas leurs propres intérêts devant tout. Vous allez dire qu'ils vont chercher des excuses. On n'a pas assez de financement, on n'a pas assez ça, on n'a pas assez ça. Au lieu de se réunir en tant que peuple, créez un fonds. Dites aujourd'hui en République démocratique du Congo que toute la population va donner 2 dollars, qu'on va mettre dans un fonds national qui sera apolitique. Et ce fonds-là, ce sera pour qu'on puisse financer notre projet de INGRA nous-mêmes. Chaque jour, vous allez montrer comment ce fonds, la contribution est en train d'augmenter, jusque quand vous aurez cet argent-là pour financer vous-même le barrage de INGRA. Ça va avoir des... Vous aurez l'énergie. Une fois que vous avez l'énergie comme ça, vous amenez le développement partout en République démocratique du Congo. Mais comment vous, en tant qu'Africain, vos intérêts n'est pas dans ça? Vous, vos intérêts sont d'aller chercher des partenaires qui vont dépenser leur argent pour construire ce barrage. Comme ça, ils vont encore être vos maîtres parce que vous allez dépendre d'eux.